samedi matin, 5h30, il rentre, il mouille, je suis pris. Des vents soutenus de 20 km/h, il mouille. Alors, je me demande comment me qualifier ce matin. Suis-je carrément... Non, je commencerai par dire, suis-je téméraire, suis-je brave. Je pense que je suis fou. Prenez rendez-vous avec un thérapeute, je pense, en arrivant tremblant. Mais je me dis, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner à la pêche, donc j'essaie de profiter au maximum de chaque petit moment. Je peux vous dire que c'est pas facile pêcher un matin. Je viens d'arriver, je sais pas si ça va être bon, mais la température est exécrable. Des rafales de 40, c'est ce qu'ils annonçaient de toute façon aux radios VHF, les antennes de Mont-Laurier. Puis je suis pris en plus. Alors espérons que ma témérité m'aura valu une ou deux belles prises ce matin. C'est pas garanti. Ah, j'ai des prix enfin. Le truc, c'est faire le tour. Alors, on va essayer de... C'est pas facile. On sait prendre un beau doré. J'ai changé de technique. J'avais essayé le 8-10 pieds, ça fonctionnait pas. J'ai mis un tin fin, un petit tin fin, et puis, étant donné que c'est sombre, j'ai pas mis une couleur bleue et chromée comme je mets d'habitude. J'ai plutôt mis d'eau noire, flanc, blanc. Le dos n'est pas vraiment noir, il est comme verdâtre un peu, pour vous le montrer. Puis, je me promène dans environ 5-6 pieds d'eau. J'ai réussi à prendre un doré qui a de l'allure un peu plus que les autres. Là. Ben, que les autres, que le petit que j'ai pris ce matin. Ça se situe dans 40 cm environ. Là. Et voilà. Et qui va. Je dirais même qu'il y a du bleu dedans un peu. Mais il y a le dos noir, les côtés blancs. Un beau petit tin-fin. Ça a marché. Deuxième doré en à peu près 5 minutes au tin-fin dans 5-6 pieds d'eau. Je ne vais pas te sortir la pluie, c'est pas un gros spécimen, mais. Il était sur le bord, on dirait. Ah, j'ai décroché. Il y avait à peu près... J'irais 30 cm à peine. Je suis vraiment sur le bord, comme vous pouvez constater. Je ne suis pas... pas dans... Parce que ça coupe carré environ 12 pieds d'eau, à ma droite. Et sur le bord, ça joue dans le 5-6. Et j'essaie de tenir mon leurre dans le 5-6 pieds d'eau. Ça fonctionne. Il n'est pas gros un matin comparé à hier. Mais, il est mieux ici que d'être assis devant une TV dans un salon, selon moi. Tiens, fais chance! En lançant! Et celle-là, il est beau. Oh oui, il est beau. Ben, beau. Pas un salive, là, mais... On va essayer de vous montrer la canne pour voir le combat. Il y a juste de m'allumer un petit cigare.
Oh oui, c'est un beau. Alors, le truc ce matin, c'est vraiment dans 5-6 pieds d'eau sur le bord, au Tintin. Ah, oh, c'est un brochet! C'est un brochet à peu près de 2-3 livres. Avec 20 de torch. Ben, 2-3 livres. Okay. Je veux pas qu'il me coupe mon fil, c'est le seul Tintin que j'ai de cette couleur-là. Non, il était accroché sur le bord de la gueule. Il n'y avait pas de danger. Oh, même un bon 4 livres. Faut pas oublier qu'il y a du brochet ici, du beau. Maudit parasol. Et voilà, Mr. Pike. Es-tu gros? Ah oui, ah oui, il est beau. Ben. Ben, yes sir, Bruce Lorette. Ça fait trop des longs vidéos. Smile, you're on candid camera. Beau gros walleye! Yeah! Il mesure... C'est sûr, c'est sûr qu'il retourne dans l'eau, là. Il mesure... Juste la longueur de la palette. La longueur de la palette au complet. Yes! Un spécial de André. Un brochet. Tiens. Un petit fouet. Il vire volte.
C'est comique un brochet quand il est tout petit, là, on dirait une grise quand il arrive proche du bateau. On dirait une petite grise. Quand il est plus la gueule développée, là, comme un pitbull, tu sais, la grosse gueule large, ouais, là, quand il est plus gros, là. Ouais. Mais quand ils sont petits même, on dirait une petite grise. Un petit grippette, comme tu les appelles. Et voilà! Yes, sir!